Thessaloniciens 5, 18. Il est dit ici, donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire, on doit remercier le Seigneur dans toutes choses. On a tendance toujours à demander au Seigneur, donne-moi, à se lamenter devant le Seigneur. Dire, Seigneur, je suis dans telle situation, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide l'autre. Mais aussi, parfois, on néglige de rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Il ne faut pas oublier que le Seigneur, il a fait beaucoup de choses avant qu'on nous dise « donne-moi ». Donc c'est pourquoi nous devons quand même toujours être reconnaissants devant le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous, la nourriture, la santé. Parce que tout ce que nous possédons là, il y a des gens, une personne quelque part qui cherche ça, qui cherche ça, qui cherche ça et ne trouve pas. La santé, imaginez, ce qui en vole, il n'en trouve pas. La paix, des vêtements, la nourriture. Et même notre venue ici au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a attirés. Jésus-Christ, selon ce que nous venons de lire, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire vers moi. Parce que pour venir vers moi là, beaucoup de gens jugent autrement. Donc, nous sommes tous les gens. Ndax té é luñu défar yépp souvent dañu dem rek di ci ñaan yalla mayma li yalla mayma li yalla mayma li to duñu sax def ay ngeureum to luñu wara geureumé yalla mo wara upp sax luñu koy ñaan parce que yalla lepp luñu défar bari na lool mais souvent nak dañu ñaan ni mayma mais dañu wax yalla geureum na la sax ndax li ma défar té yalla def lu défar lu bari. Vous avez vu que vous avez dit mais yalla def na bu meuna ñew ci ñun ndax ñu meuna am bu donc nañu gëreum suñu borom ñepp ñu jox taxaw gëreum suñu borom ndax lepp duñu defal ak bakkar bu ñu baal ak xel bu sel bu ñu jox al xiwal yépp.
ne cesserai pas de le répéter. Duma son dikobamtu. C'est toujours une grande joie d'être là devant vous. Mbektele pour ñu maté wat fi sen kanam. Et c'est un grand privilège aussi. Té mayela aussi. Parce que c'est le moment où nous écoutons la parole de Dieu. Té dafa nek waxtu yo xamné dañuy déglu kaddu Yalla gi. Et il n'y a pas plus grand privilège. Té amul benen maye bu top que d'être utilisé par Dieu pour parler aux gens. Yalla jëfandiko la pour wax ak mbolo. Et c'est pourquoi nous comprenons parfaitement. C'est lolu motax dañuy xam bu baax toutes ces personnes qui veulent à tout prix être prophètes. Ñepp ñi nga xamné dañuy wotéwu, dañuy jog pour don ay yonenti. Mais nous nous disons la parole de Dieu. Waye ñun dañuy wax ka du Yalla gi. Et nous demandons toujours à Dieu. Té dañuy ñaan Yalla de permettre à ce que nous disions sa parole. Mu def ngir ñu wax ka dom. Et que nous disions ce qu'il veut que nous disions. Et ñu wax li nga xamné mom la bëgg ñu wax. Et comme il veut que nous le disions. Ak num ko bëggé. Aujourd'hui, nous allons étudier cette parole de Dieu. Tay dañuy xol kaddu Yalla gi. Toujours dans la continuité du livre de Galates. Tay ci téré Galates ba légui dañuy continuer. Donc dans le chapitre 4, ci chapitre 4. Nous allons étudier chapitre Galates le chapitre 4. Dañuy xol ci Galates le chapitre 4, les versets 8 à la fin. Diko jëlé ci verset 8 bo fu mu jéxé. Ba 20. Galates chapitre 4, les versets 8 à la fin. Galates 4, verset 8 à la fin. C'est un passage assez long. Il faut que l'on sache qu'il n'y a pas de. C'est pourquoi nous n'allons pas le lire tout de suite. Lolu motax duñ ko jang lepp. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous allons lire les versets. Waye buñuy avancer rek ci ñu li ñu wara jangale tay dañuy lire par verset. J'aimerais seulement qu'on commence par se rappeler un peu ce qui s'est passé. Bëggon na ñu fatale ko bu baaxa baax li wessu. C'est-à-dire ce que nous avons étudié les jours passés. Li nga xamni jang nañ ko ci bëss yi wessu. J'avais résumé la prédication du dimanche passé. Waré bi dimanche passé amna lima ci jëlon. En disant ceci, Dieu nous appelle comme des fils. Et en tant que fils, Dieu nous donne un héritage. En tant que fils, Dieu nous donne l'esprit de son fils. Si nous sommes autre chose que des fils, des esclaves par exemple, nous n'avons rien de Dieu. Parce que Dieu n'a pas un esprit de servitude à nous donner. Parce que Yalla amul xelu mbum buñ muñ may. Dieu n'a pas un esprit d'étranger à nous donner. Yalla amul xel bu nekul xelam bu muñ may. Mais il nous donne l'esprit de son fils. Waye def ñuy may jox xelu domam. Mais ça c'est quand nous sommes fils. Waye lolu day fekk rek ñu doon ay dom. Aujourd'hui encore nous allons continuer dans cette lancée. Et tamit dañuy wéy ci lolu. Et nous allons voir que té dañuy gis né notre position aujourd'hui, suñu taxawaw tay, notre condition aujourd'hui, li mëna tax lolu am tay, c'est ça qui va déterminer notre destinée. Té lolu mo ñuy may mujj, c'est ça qui va déterminer notre héritage. Té lolu mo tax ñu am ndonel. Nous allons essayer de voir cela dans les passages que voici. Té dañ koy gis rek ci ay yi nga xamné mom lañu wara jang légui. En commençant par les versets 8 à 11. Té ñuy commencer ci 8 ba 11. La parole de Dieu dit, kaddu Yalla gi néna, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observiez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Verset 8 à 11. Verset 8 ba 11. Nako jang ci wolof kaddu Yalla gi neena bu ñeek bi ngeen xamagul Yalla. Yalla ngi doon yeena ngi doon jaamu yenen yu di bokale Yalla. Waye legi nak bi ngeen xame Yalla wala bok bi len Yalla xame nan ngeen meuna def bayyi delu wat ci aaday adina. Ada yena ñak doole
té ñak ñëriñ lu tax ngeen bëgg ñu notat leen yéena gi fonku bess yi wër yi magal yi ak at yi sama xel dalu lu ci yeen ngir ragal sama choono ci yeen neen. Amen. Amen. Ici nous voyons une première catégorie de personnes. Fi dañuy gis ay mbolo nit. Des personnes disons insensibles. Ño xamné dañuy am yeg yeg. Parce qu'en fait une grande chose s'est passée ici. Parce que lu reuy xewna fi. Une grande chose. Lu reuy. Rabbi nous dit kadu yalla gi néna. Autrefois bu ñeek. Voici ce que vous étiez. Néna li ngeen nekkon. Voici comment vous viviez autrefois. Ni ngeen don dundé. Aujourd'hui, waye tay, quand il y a cette différence autrefois et aujourd'hui, buñu bu amé mengal rek bu ñëk ak tay, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lolu day firné amna lu xewon qui apporte une rupture entre le passé et le présent. Lo xamné day xajalé lu ñëk ak lu am tay. Et ici la parole de Dieu nous dit, et fi kaddu yalla gi néna, cette chose lolu c'est que vous avez connu Dieu parce que da ngeen xam yalla. Et puis il dit, ou bien c'est Dieu même qui s'est fait connaître. Wala yalla ci bopam mo len xam. Parce que avant, waye bu ñek, vous étiez sans Dieu. Da ngeen nekkon te amawo len yalla. Vous étiez sans espoir. Da ngeen nekkon amawo len yaakaar. Vous étiez étranger à Dieu. Da ngeen nekkon ño xamé ay gan lañ ci yalla. Et bien que Dieu vous connaissait avant, mais yalla comme xamone na len bu ñek, lui aussi il s'était comporté comme un étranger pour vous. Mom tamit dafa nekkon comme gan ci yeen. Ici on parle des autres nations. Fi dañuy wax ay yenen xet qui ne faisaient pas partie d'Israël. Man bokku ñu won ci wa bad Israël comme nous, comme ñun. Ils étaient sans Dieu. Amuñu won Yalla. Ils étaient étrangers aux alliances de Dieu. Dañu nekkon ay gan ci colère bi nga xamné Yalla amon nako. Ils ne connaissaient pas Dieu. Xamuñu won Yalla. Et pendant ce temps-là, way ci waxtu yoyu, malgré qu'ils ne connaissaient pas Dieu, xamuñu won Yalla. Il y avait quelque chose qui était en eux. Amon na li nekkon ci ñom. Ils avaient toujours le besoin d'avoir Dieu. Ñom dañu amon yeg yeg pour xam Yalla. Ça c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Lolu katanu Yalla mo koy def. On a dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Dañu wax ni xamuñu won Yalla. Et pourtant ils avaient besoin de Dieu. Way ñom soxla won nañ Yalla. Dans le fond de leur cœur, si c'est un bir xol, il y a quelque chose qui leur manquait. Amon na li len manké won. Et c'est pourquoi la Bible dit, lolu motax kadu yalla gi néna, quand vous ne connaissiez pas encore Dieu, bo len negul won ak té ñi xamné xamuñu won yalla, vous étiez en train de servir d'autres dieux. Yéna ngi don jaamu ay yalla dudul yalla deug. Des choses que vous avez pris pour Dieu, lo xamné da ngeen ko jappu né yalla, vous avez senti un besoin de Dieu. Parce que da ngeen am sen da ngeen yegg sen xol né soxla ngeen yalla, mais en réalité ces choses n'étaient pas Dieu. Way ci deug deug lolu nekul won yalla. Et entre ce temps-là, té buñu xolé ci waxtu yoyu, et aujourd'hui, di ngeen té waxtu yoyu ak tay, une grande rupture. Amna lu bari lo xamné xewna. Grande chose que Dieu lui-même a opéré. Amna lu bari lo xamné xewna fa té Yalla moko jëfé. Il s'est révélé. Et mom dafa fegnaal bopam. Dieu s'est révélé à ces nations-là. Yalla dafa fegnaal bopam mbolom. Dieu s'est révélé à nous. Yalla dafa def ñu fegnaal bopam. Il l'a fait premièrement à travers ce qu'il a créé. Def ko def jaar la ko ci ñëk li nga xamné mom la sak. La parole nous dit, kadu Yalla gi néna, pour connaître Dieu, pour ñu xam Yalla, sa puissance, pour ñu xam doole Yalla, sa perfection, pour ñu xam munna Yalla, et tout cela ak loolu yeb, ça se voit dans l'œuvre de sa création. Loolu dañ koy gis nak ci li nga xam mom la Yalla sak. Mais Dieu a voulu être plus proche des gens. Way Yalla dafa bëggone gëna jëgë nit ñi. Il vient lui-même, mu dal di ñew mom bopam, à travers Jésus-Christ. Jaaré ko ci suñu borom Jésus-Christ. Il s'est livré, mu dal di joxé bopam, et il a opérer une réconciliation avec l'humanité. Le moudal di def ko ñun ñu amaat coloré ak suñu borom. Il a permis que l'homme puisse être beaucoup plus proche de Dieu. Moment de ba nit ki gëna jëgé Yalla. L'homme ne s'est pas seulement arrêté à contempler la créature. Nit ki yamul rek di xol di rafetayu li nga xam mom la Yalla sak. À début de ces choses merveilleuses, il y a vraiment un créateur. Mu ne ah li rafet na waye ci ginaaw li amna ko sak. À travers cette révélation en Jésus-Christ, jaar la ko ci nga xamné pèn bi nga xamné jaar na ci Jésus-Christ. L'homme est entré en contact avec Dieu. Nit ki amat na coloré ak Yalla. L'homme est entré en communion avec Dieu. Nit ki amat na coloré ak Yalla. Et tout doit changer. De lolu yépp lepp dafa wara changer. Soppé ko. Une autre façon de vivre. Comme ñu lay tuddé dafa wara soppé ko. C'est pourquoi la parole dit. Lolu motax kadu Yalla gi néna. Maintenant, tay,
que Dieu vous a connu. Maintenant que Dieu vous a accepté. Pourquoi vous, vous voulez continuer à vivre comme si de rien n'était? C'est une question que chacun peut se poser en ce moment même. J'ai longtemps cherché quelque chose. J'ai tout fait pour l'avoir. Defna lepp pour encore. Ça n'a pas réussi. Lolu jaadu. Et lorsqu'on me donne gratuitement la chose, c'est buñ ma joxé nit ci nak may buñ ma joxé affaire bi may mako. Je fais comme si de rien n'était. Demay def comme dara xewul. Comme si je n'en avais jamais besoin. Comme soxlo mako won sax. Je continue à vivre comme avant. Ma continue di dundé comme ni ma don dundé rek. Du ñek. Est-ce que c'est le but? Est-ce que lolu jaar na yoon? Nit mën na ka nangu. Et pourtant, c'est ce que nous voyons ici. Et lolu mom lañuy gis tay. Saint Jean, nit ñi, la Bible nous dit. Kadu yalla gi neena, vous avez continué à observer les jours. Yeen de ngeen verset 10. Verset 10. Yeen ngi fonku bess yi. Les mois, wër yi, les temps et les années. Ati ak waxtu yi. Et c'est pourquoi Paul conclut cette section en disant. Lolu motax Paul mu ngi tank limu wax fofu yépp. Je crains d'avoir travaillé inutilement parmi vous. Sama xel dalul ci yeen ngir ragal sama choono ci yeen do nen. C'est comme si le message de l'évangile est venu chez vous. Comme si xiba bu baax bi dafa ñew ci yeen. Mais ça n'a pas produit du tout. Waye amul meñef, meñeful. Et si c'est le cas, bu fekke ne non la démé, ça veut dire que ce que j'ai fait parmi vous est vain. Lolu day firne lima def ci yeen yépp tiaxan la, amul amul ben meñef. Paul continue. Paul dit oui. À partir du verset 12, buñ ko xolé ci verset 12, il revient et dit, mu ñëwaat dina, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Amen. Mbokk yi, dama leen di ñaan ngeen melni man ndaxte man itam fek sina len ci sen xalat toño len ma verset 13 xam ngeen ne sama wop mo taxone ma yegal len xiba bu bax bi. Amen. Paul invite ces gens à être comme lui. Paul mu ngi wo ñi pour ñu mel ni mom, à avoir le même esprit que lui, pour nous am ben xel comme mom, à avoir le même regard envers l'évangile, pour nous am ben gis comme mom. C'est une manière de leur montrer que je ne suis pas votre ennemi. Comme lolu def Paul def len bëggone wonné duma sen non. Et déjà comme moi vous ne m'avez fait aucun tort. Tu donnes len ma sax, je ne considère aucun litige entre vous et moi. Yabuma ben mer suñu digënté ak yeen. Donc ne me prenez pas pour un ennemi. Way bu len ma jappé sen non. Mais vous devez être comme moi. Waye da ngeen wara mel comme man. Moi je vous ai rejoint dans votre condition. Man dama nangou sen xalat. Je vous ai rejoint dans votre condition. Dama nangou sen xalat, fek si len ci sen xalat. Et c'est pour cela que je vous ai annoncé l'évangile. Té lolu motax ma yégal len xibaar bu baax bi. Paul a compris que les gens de Galate étaient comme lui. Paul xamone na ñi dékon Galatie dañu nékkon comme mom. Des gens qui ont faim et soif de l'évangile. Ñi ñoo xamné dañu xif té mar xibaar bu baax. Comme lui il était. Comme Paul ni ko néké won. Il vient au milieu d'eux. Mu daldi ñew seen biir, il voit leur condition. Mu daldi gis nak seen taxaway. Il en profite pour leur annoncer l'évangile. Profite wo pour wax leen xibaar bu baax bi. Parce qu'en réalité, parce que ci deug, si on lit ce passage, bu ñu liré xibaar bi, on a l'impression que Paul passait. Des fois dañuy japp ne Paul da doon jall rek, il faisait un voyage. Mom da doon tukki. Entre-temps, il est tombé malade. Ci sa si mu daldi febar. On l'amène à Galate. Ñu yobbu ko Galatie. Et qu'il est passé là-bas pour se soigner. Mu daldi deug fa pour faju. Et bien qu'il était dans la faiblesse, comme mom defa nekkon nak ci ñak katan, bien qu'il était dans la maladie, defa nekkon ci febar, il n'a jamais oublié l'évangile. Mom mosul faté li nga xamné moy xibaar bu baax. Il a regardé la condition des gens de Galate, gis na wa Galatie ñuy dundé, et il se rend compte qu'en fait ces gens-là, mu xamné ñi, je suis plus sain que ces gens-là. Mo ñi kat ma lay gëna sel, je suis plus sain, c'est-à-dire ma lay gëna wër. Ma lay gëna wër. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Parce que dañu amone lu ñu soxla won. Ils ont besoin de l'évangile. Soxla nañ xibaar bu baax bi.
et Paul leur annonce l'évangile. Paul dal di len yegal xiba bu bax bi. Et sûrement té lu wor la. À partir de ce niveau, on va voir une deuxième catégorie de personnes. Ci waxtu yoy dañuy gis nak ñaarelu mbolo. Parce que sûrement lorsque Paul a annoncé l'évangile, parce que wor na Paul bu mo waxe xiba bu bax bi ba paré, ça a impacté beaucoup de gens. Amna ñu bari ño xamné xiba bi la lon na len. Et ces gens-là, té ñooñu Paul dit dans le verset 14. Paul né mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Chono, ngilen sama wop tegon, taxul ngeen bañma, taxul ngeen sekhluma, waye teru ngeen ma nima ko don tero ci touru Jésus-Christ. Paul dit, Paul néna, votre accueil envers moi, ngeen ma tero, a été tellement que moi-même je pensais que vous me prenez pour un ange. Bien que j'étais malade, bien que cette maladie fût à votre charge, vous ne m'avez pas méprisé. Au contraire, vous m'avez accueilli. Vous avez un cœur ouvert envers moi. Et c'est pourquoi il dit, lor mo tax mu ne, vous avez été gentil avec moi en ce moment-là. Da ngeen ubeku won ci man ci waxtu yoy. On était en connivence vous et moi. Daño nekkon nak daño amone digënté mak ak yeen. Nous avions partagé la même passion. Daño xajoon li nga xamné nak mom lañu bëgg suñu xol. Nous avions partagé le même esprit. Daño amone nak ben xel. Pourquoi aujourd'hui vous avez oublié cette bonté que vous avez envers moi? Lu tax tay ngeen bëgg faaté mbaxay bok ngeen amone ci man. Le verset 15. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le verset 16. Amen. Le verset 15. Waouh! Fan la sen mbet ya ndaxte sedal na lenne su ngeen ko manon ku lu ku ma xol ngeen jox mako ndax deug gima len wax motax ngeen def ma ab non. Paul dit, Paul nena, pourquoi aujourd'hui lutax tay vous voulez changer ngeen bugga sopeku. Là c'est un autre type de personne. Fi mën nañ xol benen mbolo la, des gens qui ont reçu l'évangile, ño xamné dañuy am xiba bu baax bi, qui ont accepté, ñu nanguko, qui ont été de tout cœur avec Paul, ñu dal di and ak Paul. Et puis tout d'un coup, waye ci sansi, parce que d'autres personnes ont parlé sur la personne de Paul, parce que amna ñeneen ño xamné wax nañ ci Paul, parce que d'autres ont critiqué l'apostolat de Paul, parce que amna ño xamné ñu ngi doon ngagne li nga xamné mo nekkon ligay Paul, eux ils se sont retournés, ñom ñu dal di nak walbatiku, ils se sont dit ah celui-là il nous a dupé, ñu nek ki nak def ño nax. Ils ont oublié qu'ils étaient de tout cœur avec lui. Ñom dañu faté won na andon nañ ak Paul. Paul dit, Paul néna, moi je suis comme vous. Man dama nek comme yeen. Je vous ai ouvert mon cœur. De ma len oubil sama xol. Ne me prenez pas pour un ennemi parce que je vous dis la vérité. Bu len ma japp né non parce que dama len di wax deug. Et cela ne va pas l'empêcher de continuer à leur dire la vérité. Té lolu du téré Paul mu continuer di len wax deug bi. Et ça c'est important. Té lolu amna ndjerim. Quelle que soit la situation, lepp lu meuna xew, quelle que soit la difficulté, choono bepp bu meuna xew, l'évangile reste l'évangile. Xibaaru baax bi day dess xibaaru baax bi. La parole de Dieu reste la parole. Kadu yalla gi day dess kadu yalla gi. La vérité reste la vérité. Deug day dess deug. Et le messager de Dieu ne doit pas changer sa veste. Té ki jotalil yalla nak warta sopeku. Parce que c'est difficile. Parce que choono ñewna. Ou parce que je veux avoir la faveur des autres. Wala dama bëgg nit ñi bëgguma. C'est pourquoi Paul dit. Lolu motax Paul néna. Au verset 17. Ci verset 17. Le zèle que ces gens-là ont pour vous, ce n'est pas un zèle pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Yeg bi nga xamné mom ngeen am ci ñi, nekul lo xamné lu deug la, mais dafa dañu bëgg rek ngeen gëm lu ñuy wax. Ces gens qui viennent vous annoncer autre chose, ñi nga xamné dañuy ñew di leen wax leneen, qui viennent vous
vous montez contre les vrais apôtres. Ñi ñew nak won len lo xamné nekul yonenté yu dëgg yi. Qui vous disent des choses qui vous plaisent. Di len di wax lo xamné neex na len. Ce qu'ils veulent, li ñu bëgg moy ce n'est pas en fait quelque chose de bien. Nekul lo xamné dañu bëgg lu baax ci yeen. Ce n'est pas à votre avantage. Nekul lo xamné baax na ci yeen. Au contraire, ils veulent vous utiliser. Way li ñu bëgg moy ñu jëfëndiko len. Ils veulent vous détacher de nous. Dañ len bëgg yobé len fenen. Comme ça, vous serez zélé pour eux. Té lolu da ngeen am yeg yeg pour ñom. C'est comme si dafa melni on envoie un pasteur quelque part. Dañuy yoni béni pasteur ci béni bërepp. Il commence à prêcher. Mu commence di waré. Il y passe des années. Mu def fofu ay at. Mais il se rend compte qu'à chaque fois ça ne marche pas. Wayé mu dem ba xamné ah bu le malgré lepp lu moy def dara doxul. À vrai dire, ça marche toujours. Day dox sa suné day dox. Là où on met l'évangile. Lepp fepp fu ñuy def xibaar bu baax bi. Si c'est vraiment le vrai évangile. Bu fekké né xibaar bu baax bi la. Ça marche toujours. Day dox sa suné day dox. L'homme peut ne pas voir. Nit ki mën na ñaka gis. Que ce soit le pasteur ou les mu nek pasteur wala ñeneen. Mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Wayé amna lu xew. Mais nous consolons dans ce que nous voyons. Wayé ñun né dañuy yem rek ci lu ñuy gis. Et donc on va vouloir changer de méthode. Ñu bëgg soppi nak ni ñuy doxale. Au pire, on va changer le message. Buñu démé ba ci xol dañuy mujjé sax soppi li nga xamné moy xibaar bu baax bu. Parce que nous voulons avoir les gens derrière. Parce que dañoo bëgg nak nit ñi top ñu. Et aujourd'hui le monde est allé tellement loin. Wayé tay aduna ci dem na ba sori fo xamné. Même si vous voyez quelqu'un, même bo gisé nit arrivé dans une ville, mu dal di ex ci ben numéro, il se rend compte qu'en fait l'évangile est déjà présent dans cette ville. Mu xamné fi kat xibaar bu baax bi téw na fi ba paré. Au lieu d'exhorter ou renforcer la foi de ces gens-là, wala muy ñaaxat ngëm ñooñu, il va vouloir détourner ce message. Mom lu muy bëgg moy muy wal batti li nga xamné moy xibaar bi, pour que les gens soient après lui, pour nit ki dal di ko top. Parce que nous avons perdu de vie. Parce que dañoo ñak li nga xamne moy dund notre mission. Dañuy ñak li nga xamne moy dundine suñu liguey. Nous avons perdu de vie. Dañuy dañoo gisatuñu ñak li nga xamne mom lañuy ce que nous sommes réellement. Li nga xamne mom lañu doon. Nous sommes des messagers. Dañuy nek ño xamne dañuy wax ci baax bu baax bi. Yalla mo ñu yoon. Je vais laisser un peu de côté les pasteurs. De may bayyi ci wet pasteur yi. De toute façon, Dieu nous a fait la grâce de savoir tout cela. Parce que Yalla may nañu yiwam pour ñu xam lolu yépp. Et nous nous efforçons de nous écarter de ce chemin là qui est mauvais. Té dañuy def suñu kamtalay katan pour ñu daldi bayyi lolu ci wet. Je viens un peu aux fidèles. De may laal ñi nga xam ñoñuy déglu. Parce que eux aussi, parce que ñom tamit quand ils reçoivent l'évangile, bu ñu gëmé xibaar bu baax bi, peut-être qu'ils ne sont pas mandatés pour aller de maison en maison. Mën nañ nek fal ñu leen sax pour ñu daldi duggu ci kër gën dem ci benen kër. Peut-être qu'ils ne sont pas mandatés pour diriger des églises. Mën nañ nek fal ñu leen pour ñu daldi wu mat jangu yi. Mais ils sont mandatés pour parler de Jésus-Christ où ils se trouvent. Waye dañ lay fal pour ñu daldi cédel Jésus-Christ fa ñu mëna nek. Ils sont mandatés pour vivre comme Jésus-Christ. Dañ lay tan pour ñu daldi dundu comme niko Jésus-Christ ta bëgge. Et je dis bien partout où ils sont. Parce que dama né fo leen mëna nek. Ce n'est pas parce que je suis en séjour à Touba. Nekul na suma démé Touba. J'ai dit bon, je vais mettre mon Jésus de côté. Mané ah Jésus-Christ mëna nga dess ci wét. Parce que ici les gens vont détester. Parce que fi nak suma waxe sa tour aussi nit ñi dañ may bay. Tu vas quelque part, nga dem fenen, tu vois des gens qui se disent chrétiens, nga gis ño xamné dañuy woté wu ay chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment. Waye ci deug deug doonuñ ko. Parce que toi-même tu sais, parce que yow xam nga né que ce qu'ils disent et ce qu'ils font n'est pas conforme à l'évangile. Li nga xamné mom lañuy wax ak luñuy dundu bokul ak kadu Yalla gi. Peut-être que c'est ta belle famille. Mu na nek sax sa say goro lay. Et tu veux préserver ton mariage. Nga bëgg nak ar sa sey. Tu laisses passer. Nga bay mu jall. Et s'il t'invite à faire quelque chose. Et buñ la wowe pour nga def dara. Tu as peur de te prononcer en fonction du vrai évangile. Yow di ngay ragal sax woné wu pour woné li nga xamné moy xibaar bu baax bi. Parce que tu veux avoir les gens avec toi. Parce que da nga bëgg nit ñi top la. En faisant ces choses, boy def lool,
non seulement nous nous détachons du vrai évangile, mais nous détachons aussi les autres du vrai évangile pour qu'ils nous suivent, pour nous top. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Si nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, je ne suis pas serviteur de moi-même, je suis serviteur de Dieu. Alors je dois faire l'œuvre de Dieu. Je dois témoigner de Dieu. J'apprécie bien les mourides. Parce que quoi qu'il puisse se passer, eux, ils sont même à tel point qu'ils se fichent même de la mort. Même s'ils savent que ça, si je vais dire ça, on va me tuer. Même si nous savons que ce que je vais dire, ils vont me. Ils n'ont pas peur de le dire. Nous ne devons pas provoquer la mort. Mais ce n'est pas parce que la mort est présente que je dois fuir mon évangile. Ce n'est pas aussi parce que les privilèges sont là que je dois changer mon évangile. Parce que souvent c'est l'un ou l'autre. Parce que si on le regarde, c'est l'un ou l'autre. Il y a deux extrémités. Le bien. Ou disons l'extrême bonheur. Et la souffrance de l'autre côté. Peu importe la borne. Nous ne devons pas fuir notre responsabilité. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et si nous ne pouvons pas rester attachés à ce vrai évangile, nous ne pouvons pas proclamer que nous sommes des enfants de Dieu. Et tant que nous ne pouvons pas faire cela, la vérité c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui n'est toujours pas en nous. Et c'est ça qui manquait aux gens de Galatie. C'est ça qui fait que pour le premier groupe de personnes, malgré qu'il y ait une rupture entre le passé et le présent, leur vie n'a pas changé. Ils ont continué à suivre les jours, les mois, les années, les fêtes, comme si de rien n'était. Les autres qui ont dit oui à l'évangile, ils n'ont pas duré. Il a suffi de quelques temps et de quelques mauvais prédicateurs pour qu'ils se détournent. Pourquoi? La parole nous dit: mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, verset 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. 19 ans. Amen. Sama domi yena tax may delu ci metit ni kuy matu ba kera jiko Christ di mat ci yeen legui bëggon na nek ci sen bir ngir man djubanti sama kadu. Paul commence à s'inquiéter. Paul day commencé di am nakar. Il s'inquiète pour une bonne raison. Té nakar bobu nak yon la won. Il dit: néna, je m'inquiète parce que vous, Christ n'est pas encore formé en vous. Yene tax may delu ci metit ndax té Christ nekagul ci yeen. Christ n'est pas encore formé en vous. Christ n'est pas encore formé en vous. Si quelqu'un est en Christ, dit la parole, les choses anciennes sont passées. Quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, Christ, en particulier dans la vie de quelqu'un qui a toujours cherché cela, quand Christ vient dans ta vie, tout change. Lep day sopeku. C'est
Si Christ est formé en toi, Christ bu nekk ci yow, tu ne reviens plus à ce que tu étais avant. Do ñëwaat ci li nga xam mom nga nekkon bu ñëk. Parce que le Christ est vivant. Parce que Christ day dundu. Son œuvre en toi est vivante. Jëfam ci yow day dundu. Tu ne peux plus retourner à ce que tu étais avant. Mënato dem ci li nga nekkon. Mais si quelqu'un peut dire qu'il a accepté l'évangile. Waye nit bu taxawé né nangou na xibaar bu baax bi. Et du jour au lendemain, il change de version. Té ci bénn bëss mu soppé ku démat. La vérité c'est que Christ n'était pas en lui. Deug bi day woné né koku neklu won ci Yesu. On est souvent scandalisé dans nos églises. Dañuy dem sax ba suñu jango yi. Lorsqu'on voit des gens qui ont été très actifs à l'église. Dañuy dem ba jaar sax buñuy gissé ño xamné dañu amone dañ doon ligéyal Yalla ci jango bi. Qui était chaud 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 dans la prédication. Ño xamné demone nañ ba ñi doon waré sax amone na dan la nit ñi. Chaud 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 dans les louanges et les adorations. Ñu doon woyé nak dan la nit ñi. Jamais absent aux réunions de l'église. Ñom duñu mësa tardé nak réunion bu amé. Et qui du jour au lendemain se retrouve musulman. Waye ci bénn bëss nañu tuub dal di doon musulman. Et ils vont s'appeler Pierre Moustapha. Ñu tuddu Pierre Moustapha. Tuddu Pierre Moustapha. Ils vont mettre leur pierre de côté pour prendre un Moustapha. Ñu dal di wacc seen pierre nak ci wét pour dal di jël bénn Moustapha. Ou bien ils mettent de côté leur Jean pour prendre un je ne sais pas Ismaël. Voilà, ñu dal di bayyi seen yowana ci wét dal di jël Ismaël. Quelle que soit la raison qui a emporté ces gens-là. Lepp lu mëna xew nak pour nit koku dal di dem. Une chose est sûre, li wor moy elle était dans l'église. Mom dafa nekkon ci bir jangu bi. Mais elle n'était pas en Christ. Way bok nekkul won ci Yesu. Amen. Cette personne était dans l'église. Nit koku mu ngi won ci jangu bi. Dans l'église physique. Ni ci jangu bi ci lo xamné nit man naka gis. Mais elle n'était pas en Christ. Way bokul won ci Yesu. Si quelqu'un est en Christ. Nit bu nekké ci Yesu. Christ est formé en nous. Christ bu saxé ci ñun. On ne retourne plus aux choses du monde. Mënu ñoo déllu nak ci li nga xamné mom lañ nekkon bu ñëk. Et la Bible qualifie ces choses-là. Té kaddu Yalla gi mo ngi koy bamtu. De faibles et pauvres lit du monde. Verset 9. La parole dit que ce sont des faibles et pauvres rudiments. Pourquoi retourner à ces choses? Kaddu Yalla gi néna ñom dañoo nek ño xamné dañoo ñak xel. Lutax ñu déllu ci lolu? C'est faible. Ñoo ñu nga xamné dañoo ñakoon doole. C'est pauvre. Par rapport à Christ. Ci dañu ñakoon nak katam ci Yesu. Si quelqu'un est en Christ, il ne peut pas retourner à ses choses. Nit bu nekk ci Yesu mënutul dem ci lolu. Si quelqu'un est en Christ, nit bu nekk ci Yesu, il est enfant de Dieu, dafa nekk doomu Yalla. Il a reçu l'esprit de Dieu, dafa jot xelu Yalla. Et il est prêt pour son héritage. Té paré na pour jot li nga xamné moy ndonelam. Mais si quelqu'un n'est pas en Christ, waye nit bu nekul ci Yesu, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, nit bu amul Yesu ci bopam, continue à vivre comme avant. Te muy wéy di dundé comme num don dundé bu ñëk, parce qu'il y a toujours le vide en lui. Parce que lolu day woné né amna lo xamné dafa nek ci xolam té matul. Il y a toujours un vide en lui. Dafa am no xamné soxla nako ci xolam. Il va toujours chercher à combler. Té lolu day wër say su nek pour matal ko. C'est pourquoi à partir du verset 21, lolu motax liko jëlé ci verset 21. La parole dit, kaddu Yalla gi néna, dites-moi vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Wax len ma yeen yi nga xamné da ngeen bëgg dundé li nga xamné mom la Moussa andi. Est-ce que dégo len lool? Il y a des gens qui cherchent toujours à vivre sous la loi. Amna ño xamné dañuy bëgg rek dundé li nga xamné mom la Moussa andi won. Parce que dans leur cœur Christ n'y est pas. Parce que seen bir xol Yesu nekku fa. C'est un vide qui est toujours là. Parce que dafa nek lo xamné soxla won nañ ko. Ils veulent chercher à le combler avec la loi. Té ñom dañuy wër say su nek pour motal lool. Mais Paul leur dit. Waye Paul néna len. Vous n'entendez pas la loi? Do len dégg li Moussa andi? Vous n'entendez pas la loi? Dolen deg lu Moussa andi. Parce que les gens qui vous annoncent que vous devez vous circoncire. Parce que ñi nga xamné dañuy waré ni da ngeen wara xarafu. Les gens qui veulent vous retourner à la loi. Ñi nga xamné da ngeen dañoo bëgg ngeen delu ci lolu. Ils clament qu'ils sont enfants d'Abraham. Ñom dañuy nan ay setu Ibrahim lañu. Mais Abraham avait deux fils. Waye Ibrahim ñaari dom la amone. Il est écrit au sujet d'Abraham. Dañ doon waxtaan ci lu dem ci Ibrahim. Qu'il avait deux fils. Ibrahim ñaari dom la amone. Et ces deux fils venaient de deux femmes différentes. Ñaari dom yoyu ñi ñeen juroon bokku ñu won. Une femme esclave ko xamné benen jigen bi jam la won. Et une femme libre ak kenen ki dafa momone bopam. La parole dit kaddu Yalla gi néna le fils de l'esclave naquit selon la chair
doomu ki nekkon jam nak dafa doonon jaar lako ci yaram et celui de la femme libre naki en vertu de la promesse waye ki nekkon nak doomu ki yiwe ko won dafa doonon jaar lako ci liñu maye won. L'un est né en vertu de la loi, de la chair. Kenen ki dafa judo ci yaram. L'autre en vertu d'une promesse. Di kenen ki nak ak digge bo xamne dañ ko digewon, digewon. Celui qui est né de la chair, ki nga xamne dafa judo ci yaram, il vit selon la chair. Mom de don dundé yaram, il vit selon la loi. Mo ngi don dundé comme li Moussa andi won, il est sous la loi. Mo ngi won ci li Moussa andi won. Et donc sous la malédiction. Lolu day firné mo ngi won nak ci aluku. Celui qui est né selon la promesse, qui a amené de fait judo nak ci digge bi nga xamne mom la yalla digge won, il vit sous la grâce. Kokou day dundou ci yiw, il vit sous la grâce. Day dundou ci yiw et il vit dans la communion avec Dieu. Day mo ngi dundou nak am lokalo ak yalla. Entre les deux, sen digante, qui est le vrai fils? Kan moy dom bi ci deug deug? Entre les deux, sen digante, qui d'entre eux va mériter? Kan va hériter? Kan moy dom? Parce que l'un est sous la malédiction. Parce que kenen ki mo ngi ci alku, mais l'autre est dans la grâce. Waye kenen ki mo ngi ci yiw. La Bible dit, kadu yalla yi neena, ces deux fils pourtant, ñaari dom yoyu, ils représentent deux alliances. Ñom ñu ngi firne nak ñaari lokolo. Deux alliances qui viennent d'Abraham. Ñaari lokolo bo xamni mo ngi joge ci Ibrahim. Quand vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, bo len waxe ne domi Ibrahim ngeen, réfléchissez-y à deux fois. Na ngeen xolat bu baax. Est-ce que vous êtes enfant d'Abraham? Est-ce que dengay nek domi Abraham? Selon la chair. Jaar lako ci yaram. Et donc enfant de la femme esclave. Mën nañ wax né domu ki nga xamné dafa nekkon jam. Ou bien vous êtes enfant de la femme libre. Wala dengay nek domu Abraham jaar lako ci jigen nga xamné momal na bopam. Quand on clame qu'on est enfant d'Abraham, buñuy wax né domi Ibrahim lañu, on doit réfléchir à ces deux questions. Parce que si on est enfant de la femme libre, parce que buñu nekké doomu Abraham jaar ci jigen bi xam dafa momone bopam, nous sommes des héritiers. Dañuy nek mën nañ doon. Mais si nous sommes enfants de la femme esclave, waye buñu nekké doomu Abraham jaar ci jigen bi xam mom lu won bopam jam la won, nous ne pouvons pas hériter. Mënu ñoo doon. L'esclave n'hérite pas. Kuñu japp jam nak mënul doon. Et les fils de l'esclave aussi n'héritent pas. Day ku judo ci bum bobu munul don. La parole dit, kadu yalla gi neena, verset 28, pour vous frères, pour yeen samay mbok, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 29 et 30, yeen mbok yi yenay domi ñu digé won niki Isaac, wayé dom ji judu ni bép dom dafa don sonal dom ji judu ci dolé xelu Yalla. Paul donne une consolation aux gens de Galatie. Paul mu ngi joxé nak fi firndé ñi dekon Galatie. Il leur dit, di bamtu, vous êtes des enfants de la promesse comme Isaac. Dé nek ay dom ci digué comme niko Isaac doné. Ceux qui sont venus de Jérusalem là, ñi nga xamné dañoo joggé Jérusalem, qui se réclament enfant d'Abraham, ñi nga xamné dañuy nane ay doomi Ibrahim lañu, et qui veulent vous mettre sous la loi, té dañ leen bëgg note, parce que c'est parce que eux-mêmes ils sont sous la loi, parce que ñoom dañoo nek ci notel, ils sont sous la malédiction, dañoo nek ci alku, et ils veulent vous mettre sous cette malédiction, ñoom dañ doon bëgg yobé ci alku bobu. En venant vous annoncer autre chose que le vrai évangile, ñu dal di ñew di leen yégal lo xamné nekul xibaar bu baax bi. Ils sont en train de vous persécuter, té lolu ñoom ñoo leen di note. Ils sont en train de vous tourmenter, ñu leen di note. Mais cela ne doit pas vous surprendre, waye lolu waru leen bet, parce que c'est exactement ce qui est arrivé aussi à Isaac. Parce que lolu mo dalol Isaac lorsqu'il est né, mu judo selon la promesse, ko judo ci digge. Le fils qui est né de la femme esclave, dom bi nga xamné dafa judo won ci bumu jam, il n'a pas cessé de le persécuter. Say su nek mu ko don note. Et la parole dit ceci, waye kadu yalla gi neena, que dit l'écriture, kadu yalla gi lan la wax, verset 30, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre.
lu ci mbini bi wax nak neena dakal jam bi ak domam ndax te domu jam bi waru la bok cieur ak domu gor li ci don kon nak mbok yi ñun duñu domi jam ay domu gor lañu. Il dit neena le fils de la femme esclave va être chassé. Domu jam bi dañ ko wara dak. Il n'héritera pas. Warul don. Logiquement les fils doivent hériter. Buñ ko xolé nak ci li jaar yoon dom dafa wara don wajuram. Puisque tous deux sont enfants d'Abraham. Parce que ñom ñep ay domi Ibrahima lañu. C'est logique qu'ils héritent. Lu yoon lu moy maye moy ñom ñu don. Mais l'autre est né selon la chair. Waye keneen ki dafa judo ci cieur. Selon un plan humain. Judo ci lali nit. Et non pas selon la promesse de Dieu. Te jaarul ci diga Yalla. Celui-là ne va pas hériter de ce que Dieu a promis. Koku dul am nonel ci li nga xamné Yalla mom la digé won. Ce que Dieu a promis, Yalla lu mu digé won, il est pour ceux qui sont nés selon la promesse. Ni ko mom moy ñi nga xamné dañoo bok ci digé bi. Ce que Dieu a promis, Yalla lu mu digé, c'est pour ceux qui sont dans la grâce. Ni ko mom moy ñi nek ci yiw. Yiwu Yalla. Et la parole dit, te kaddu Yalla gi neen, vous mes frères, vous n'êtes pas des enfants de l'esclave. Yen samay mbok nekolen domou jam. Mais des enfants de la femme libre. Ay domou gor ngène. Aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans les rangs et citer ceux qui sont sous, ceux qui sont enfants de l'esclave. Tay munuma duggu sen bir tan ñi nga xamné dañu bok ci dañu nek ay domou ki nekkon jam. Ça se passe dans nos cœurs. Lolu suñu bir xol lay xewé. Ça se passe dans nos consciences. Lolu ci suñu xel lay xewé. Mais il y a un indicateur. Wayé amna lo xamné mo ñuy won lo. La parole nous dit, kaddu Yalla gi neena, que autrefois, bu ñëk, nous avions marché de telle manière, ni lañ doon doxé. Dieu s'est révélé à nous. Yalla woné wu. Aujourd'hui, tay nous marchons de telle manière. Ni lañuy doxé. C'est cette façon de marcher maintenant, ni ñuy doxé non, qui va prouver si Dieu a transformé quelque chose en nous. Lolu moy woné né amna Yalla lu mu soppi ci ñun, ou bien si nous sommes restés vides comme ça. Wala dañoo dess ni ñu nékkone. Parce que si nous n'avons pas été changés, parce que bu féké né amul ciopé ciopité suñu bir, ça veut dire que Christ n'est pas formé en nous. Té lolu day woné né Christ Yesu saxul ci ñun. Et ça veut dire que nous ne pouvons pas prétendre être des enfants. Té lolu day woné né mënu ñoo wax né ay doomu Yalla la. Nous sommes plutôt des esclaves. Dañu nek dañuy nek ay jam. Et la parole dit, té kaddu Yalla gi néna, le fils de l'esclave n'héritera pas. Doomu ku jigen jam bi du doon. Le fils de l'esclave n'héritera pas. Domo koku du don. C'est pourquoi j'ai dit au départ, lolu motax fima commencer mangi won bamtu, que notre condition d'aujourd'hui suñu dundin tay déterminera notre héritage. Lolu moy woné luñu wara don suba. Notre condition d'aujourd'hui suñu dundin tay déterminera notre destinée. Moy woné suñu ëlëk. Dans le passage de dimanche passé, buñu xolé ci li jangon ci dimanche bi wessu, le passage s'était terminé ainsi. Kaddu Yalla gi mu don jéxalé. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Nekato jam waye dom nga. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Te bo neké dom tamit da nga nek ku wara don ci yiwu Yalla. Aujourd'hui, tay la parole nous dit, kaddu Yalla gi chasse l'esclave et son fils, nanga dak jam bi ak domam, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme. Parce que dom ko kuñu jappon jam warul don comme dom ki yiwe ko. Ces paroles sont très importantes. Kaddu ñu jang legi amna ñeriñ. Ces paroles nous rappellent qu'il y a quelque chose d'urgent qu'il faut opérer. Lolu def ñuy wone amna lo xamne warul xaar dañ ko wara changer. C'est urgent. Warul xaar mënul xaar. Pourquoi ce thème de l'esclavage? Lutax ñuy waxtane luy dem ci momu jam. Pourquoi cette condition de l'esclavage? Lutax ñuy waxtane ci lolu nga xamne xelu jam la. Est-ce que nous serions en train de vivre comme des esclaves? Est-ce que ñun dañuy dundé comme jam? Sûrement. Mu na nek te lu wor la.
Mais Dieu nous appelle à changer. Waye yalla lu muy xaar ci ñun nous soppé ko. Dieu nous appelle à son fils. Yalla mo ngi wo ci domam. Parce que c'est en lui seulement que nous pouvons être des enfants. Parce que ci mom lañu mëna donné ay doomu yalla. C'est en lui que nous pouvons vivre en tant qu'enfant. Ci mom lañu mëna dundé comme dom. Cela ne vient pas de nous. Lolu jogé wul ci ñun. Mais de Dieu. Waye ci yalla la jogé. Dieu a déjà donné sa promesse. Yalla joxé won na digem ba paré. Dieu a déjà accompli son œuvre. Yalla motal na li nga xamné mom la waron motal. Et ce qui reste à chacun de nous. Li dess ci ñun ku nek ci ñun pour sortir de cet esclavage. Ñu daldi génn ci mbumu jam bobu et être des enfants. Té ñu daldi nek ay doom vivre libre comme des enfants. Ay ndaw daldi dundé comme ay ndaw c'est d'accepter Jésus-Christ. Moy ñu daldi nambu Jésus-Christ. En résumé, buñ ko tënké, c'est comme si nous n'avions jamais entendu l'évangile. Té dafa melni comme mo suñu dégg xibaar bu baax. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à écouter et recevoir. Waye tay yalla mo ngi xaar ci ñu déglu té nangu. Nous ne devons pas dire que je suis chrétien depuis longtemps. Waruma wax ni bima doone chrétien yagna. C'est pas suffisant. Lolu rek doyo. Ce qui est important. Li am jëri. Et que nous devons faire chaque jour. Té li ñu wara def say su nek. C'est de nous convertir chaque jour. Ñun ñuy soppé ku say su nek. Ci lu baax. Nous convertir chaque jour. Ñuy soppé ku say su nek ci lu baax. Écouter l'évangile chaque jour. Ñu daldi déglu xibaar bu baax. Accepter Jésus-Christ. Ñu daldi nangu Yesu say su nek. Et ainsi nous hériterons. Té ci lolu dinañ mëna don. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yalla na len Yalla barké. Que Dieu bénisse sa parole. Yalla na barké sa parole.